بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سمحوا لي تعطلت عليكم شوية في هذه الدروس، كما خبرتكم كنت مريضة شوية، كانوا سناني مرض. دابا اللهم لك الحمد، وانا جد سعيدة انني نتواصل معكم عبر هذه الفيديوهات هذه، وكنطلب الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما فيه الخير. قبل ما نبدا نقول لكم باننا دايره شعار ان شاء الله لهاد الدروس التعلم هذه، وهو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله أجر. إنسان المؤمن، إنسان المسلم مطالب بأن يعمل إلى آخر رمق، إلى آخر نفس في جميع الظروف، لأنه يعمل للآخرة، لأن عمله في هذه الدنيا يمتد إلى الآخرة، وبالتالي كيبقى دائما إنسان إيجابي، دائما إنسان عنده الطموح، دائما إنسان كيشوف الدنيا بتفاؤل، ما كيصابوش اليأس، لأن عارف بأن العمل ديالو هو مأجور عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. وما أحسنه من عمل هذا اللي كنقوم به في إطار طلب العلم والعطاء ويعني والتحضير للامتحانات بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا ما نطورش عليكم بزاف، كيف ما عارفين عندنا ثلاثة المؤلفات هاد السنة، nous avons donc trois œuvres à étudier cette année. Vous avez donc La boîte à merveilles de son auteur Ahmed Sfrioui. Vous avez également Antigone de Jean Anouilh, c'est une pièce théâtrale. Et vous avez Le dernier jour d'un condamné du grand auteur Victor Hugo. Et nous allons commencer, Inch'Allah, par La boîte à merveilles. Mais avant de commencer à étudier ce roman, nous avons besoin d'abord de comprendre une chose, de comprendre quelle est la différence entre un texte littéraire et un texte scientifique. Parce que ce qui nous est demandé le jour de l'examen, ce qui nous est demandé lorsque nous lisons un texte littéraire, c'est bien une lecture, une interprétation de l'œuvre. D'accord ? C'est pour cela donc nous allons faire une petite comparaison entre le texte littéraire et le texte scientifique. Alors, le texte scientifique, c'est un texte, comme on dit, univoque, c'est-à-dire, il a un seul sens. Si je distribue en ce moment un texte sur, c'est pas moi, le coronavirus, sur le tremblement de terre, sur le réchauffement climatique ou n'importe quel sujet d'actualité, on va sortir avec les mêmes informations, tous ensemble. D'accord ? Il n'y aura pas une grande divergence entre nous parce que les informations sont données d'une manière directe, d'une manière claire. Le style, c'est un style, comme je viens de le dire, il est univoque, c'est-à-dire que le vocabulaire utilisé, c'est un vocabulaire simple qui a un seul sens. Le but du texte scientifique, la visée, c'est d'informer, c'est d'analyser, c'est de donner une information. Par contre, le texte littéraire, c'est tout à fait autre chose. Dans le texte littéraire, on a affaire à l'auteur, à sa façon de voir les choses, à sa vision du monde, à sa conception des choses, à sa conception de la vie. Et donc, on a besoin ici, et donc, d'un autre côté, le style utilisé dans le texte littéraire, c'est un style littéraire. C'est pourquoi vous avez au programme une leçon qui est certes difficile pour de nombreuses personnes entre vous, c'est les figures de style. Pourquoi nous étudions les figures de style? Parce que l'auteur ne nous donne pas le sens du texte du premier coup. Nous avons besoin de lire le texte, parfois de lire le paratexte, des éléments extra-textuels. D'accord ? Pour que nous puissions comprendre le texte, dégager les idées de ce texte et dégager le message. Qu'est-ce que l'auteur essaie de nous dire? Alors, je vais simplifier les choses. Voilà, je le dis directement, carrément comme ça. Je suis très contente, je suis très heureuse. Mais un poète, un écrivain, un romancier, un photographe, un compositeur de musique, il ne fera pas la chose de la même façon.
Alors, un poète, pour dire qu'il est heureux, il va rédiger, il va composer un poème, un long poème où il est question de printemps, de soleil, de gazouillement, des oiseaux, de fleurs, de couleurs, etc. Un compositeur de musique aussi, donc il aura un peintre, d'accord? Donc, lorsqu'on est avec l'art, lorsqu'on est dans le domaine de l'art et de la littérature, on voit les choses d'une autre façon. On conçoit, on perçoit les choses d'une autre façon. Je vais encore simplifier les choses et vous parler d'un concept qu'on utilise généralement pour analyser les textes. D'accord? C'est lorsque nous parlons d'un mot. D'accord? Alors, chaque mot, il a une dénotation. Et une connotation. Alors, la dénotation, c'est quoi? Alors, par exemple, ça, c'est un stylo. Vous voyez bien que c'est un stylo, n'est-ce pas? Alors, au niveau de la dénotation, lorsque je pense au mot stylo, c'est un stylo. Ça sert à écrire. D'accord? C'est tout à fait simple. OK? Mais, au niveau de la connotation, ce stylo était là. Posé sur mon bureau. Je l'ai pris. Je l'ai tenu entre mes mains, entre mes doigts. D'accord? J'ai ressenti une grande tristesse lorsque j'ai pris ce stylo. Parce que ce stylo, c'est une amie qui me l'a donné, qui me l'a offert. D'accord? Et cette amie est morte, malheureusement. Elle est décédée il y a quelque temps. Donc, le mot, lorsque je regarde ce stylo sur mon bureau, je n'ai pas envie d'écrire. Remarquez, c'est tout un état psychologique qui surgit à la surface. De la tristesse, de la mélancolie, une certaine nostalgie au moment que nous avons passé ensemble. Et donc, vous voyez, je crois que j'ai bien simplifié la chose pour que nous puissions faire cette différence entre le texte scientifique et le texte littéraire. Et j'espère que vous avez bien compris. D'accord? Je donne un autre exemple. Parfois, si je me rate, quand je suis chez Blasa, je suis chez Riha. Je suis chez Riha, je suis chez Riha, je suis Popcorn, chez Riha. Mais quand je suis chez Riha, je ne sais pas si je suis chez Riha, 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 واحد الريحه بسيطه جدا عاديه ما كاين حتى شي اشكال اذا واش تفهمنا دونك هذا هو لو برينسيپ اللي غنخدموا به ان شاء الله حنا غادي نخدموا هاد المؤلفات اون ترافاي لا بوتا مارفي لا بوتا مارفي باش نقولها لكم من دابا راه ماشي قضيه سيدي محمد لا عائشه لا زبيده شوافه مشى مع ماماه الحمام جا من الحمام جو نو نو سي تو تافي اوتر شوز سي لوتور احمد السفريوي داكور ا بري لا ديسيزيون ديكريغ سيت autobiographie, c'est qu'il veut nous transmettre un message. Il veut nous dire quelque chose. Et il ne va pas nous le dire comme ça, directement, carrément comme ça. Non. En tant que texte littéraire, nous, les lecteurs, nous avons besoin donc de nous approprier les outils pour lire le texte littéraire, les clés pour ouvrir les serrures de ce texte littéraire. Et c'est ce que nous allons faire ensemble, Inch'Allah. Voilà donc pour cette première vidéo. نتمنى ان يكون شوقتكم لدراسه المؤلفات والتحليل ديالها ما نكونش طولت عليكم بزاف ولا كنزرب غادي نسين الملاحظات ديالكم الاولى على هاد لا فيديو هادي لا بالنسبه للاخراج ديالها ولا بالنسبه للمعطيات اللي فيها ونتمنى نتلاقاو في حصص اخرى كثيره ان شاء الله عز وجل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.